La suspension adaptative AirRide aux quatre coins en option vous permet de relever ou d'abaisser la hauteur de votre véhicule pour l'adapter aux différentes conditions de conduite. Ce système est construit sur des ressorts pneumatiques pour vous offrir une conduite plus confortable. Les options de hauteur préétablies et automatisées vous permettent de monter et descendre plus facilement dans le véhicule, d'y accrocher une remorque, d'améliorer sa garde au sol et d'optimiser ses performances aérodynamiques. Pour savoir si votre véhicule est équipé de cette fonction, recherchez les commandes situées à la gauche du volant ou sur la console centrale. Vous pouvez également aller dans l'option « Suspension » située dans les paramètres de votre écran d'infodivertissement sous l'onglet « Véhicule ». Les commandes de la hauteur vous permettent de régler manuellement la hauteur de votre véhicule. Certains véhicules sont équipés d'un sélecteur et d'un second bouton, alors que d'autres ont des boutons séparés pour lever ou descendre le véhicule. Tous les véhicules équipés de la suspension adaptative AirRide aux quatre coins ont le choix entre quatre niveaux de hauteur selon le modèle. Sur les modèles équipés d'un bouton de sélection, appuyez sur le bouton pour activer le menu de hauteur du véhicule dans le centralisateur informatique de bord. Tournez le bouton vers la droite ou la gauche pour mettre en surbrillance la hauteur du véhicule, puis appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Si vous ne faites pas votre choix dans les secondes qui suivent, le menu sélectionnera automatiquement la hauteur mise en surbrillance. Une fois qu'une sélection a été faite et que votre véhicule commence à s'élever ou à s'abaisser, une icône ainsi qu'une flèche qui indique si votre véhicule s'élève ou s'abaisse clignoteront sur votre centralisateur informatique de bord. Ainsi, si vous êtes hors route, vous pouvez sélectionner la plus haute hauteur disponible pour maximiser la garde au sol. Certains aspects de la suspension adaptative AirRide sont automatiques. Par exemple, si le système détecte une charge importante, il ajustera automatiquement la hauteur du véhicule pour compenser. Si vous activez l'option d'entrée et de sortie automatique dans les paramètres de votre système d'infodivertissement, votre véhicule s'abaissera automatiquement lorsque vous le mettrez en mode stationnement pour vous permettre d'en sortir plus facilement. Il faut environ 8 secondes pour abaisser complètement le véhicule de la hauteur normale à la hauteur d'entrée et de sortie. Cette fonction est désactivée lorsque le véhicule est relevé au-dessus de la hauteur normale, lorsque le mode hors route est activé ou lorsque le mode remorquage est activé et que le véhicule détecte qu'une remorque est attachée. Sur l'autoroute, lorsque vous atteignez une vitesse de 100 km/h ou plus, le système passe automatiquement en mode aéro et abaisse légèrement votre véhicule pour améliorer l'aérodynamisme. Ce mode est désactivé lorsque le véhicule détecte qu'une remorque est attachée ou lorsque le mode remorquage est activé. Finalement, le mode service désactive la fonction d'ajustement de la hauteur pendant l'entretien du véhicule. Vous pouvez l'activer dans le menu Paramètres de votre écran d'infodivertissement. Une icône orange s'affiche à l'écran lorsque le mode service est activé. Celui-ci se désactive automatiquement lorsque le véhicule roule à une vitesse élevée. Avec la suspension adaptative AirRide aux quatre coins livrable en option, votre véhicule est prêt à s'adapter à vos besoins.